Mon père était un diplomate américain en poste à Berlin. J'y ai passé toute ma jeunesse. C'était une très belle ville, autrefois. J'ai passé 4 ans à West Point avant que les États-Unis ne prennent part au conflit. Et maintenant, me revoilà à Berlin, après avoir été recruté par l'OSS en raison de ma connaissance de la ville et de la langue. L'assaut final des Russes avait commencé à l'aube. Et la chute de la capitale du Reich n'était plus qu'une question de jour. J'étais un sniper. Membre d'une unité d'élite. Déguisé en allemand, mes compagnons et moi-même remplissions les missions les plus difficiles qui soient, agissant seuls derrière les lignes ennemies. Mais cette fois-ci, bizarrement, les nazis n'étaient pas ma cible prioritaire. En effet, l'armée d'Hitler avait presque cessé d'exister sous les attaques répétées de nos alliés russes. Non. Si j'étais là, c'était parce que l'OSS avait appris que les services secrets russes, le NKVD, avaient monté une opération secrète afin de s'emparer de la bombe atomique allemande. Et si jamais il réussissait, Staline pourrait utiliser cette bombe pour dominer l'Europe. C'était une grande menace pour l'équilibre des forces mondiales. Une menace peut-être encore plus grande que les nazis. J'étais donc ici pour aider l'OSS à empêcher les Russes de mener leur plan à bien. La Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, et j'étais déjà l'un des premiers combattants d'une nouvelle guerre. La guerre froide.